que le cadre du financement même voulait que ça soit fait par des jeunes, de la, un peu la conception jusqu'à sa réalisation. La conclusion de ce projet-là, ce sera une distribution au mois de septembre du guide lors des assises de la consommation responsable qu'on va faire à Marseille. Et il y aura des jeunes de différents pays, notamment des jeunes de cette association portugaise qui seront là et qui viendront aussi présenter leur travail. Mm-hmm. Voilà. Unicité, c'est une association qui propose du volontariat aux jeunes entre 18 et 25 ans. Depuis janvier 2010, on travaille avec Piste Solidaire. Ça nous a permis d'aller à la rencontre des acteurs de la consommation responsable, donc vous, hein, enfin quelques-uns qui sont là. Bon, donc pour créer ce guide, qui sera disponible en septembre, il sera tiré à 5000 exemplaires. Le 25 juin, il va y avoir une réunion avec les élus. Et nous, ce qu'on a fait, c'est un petit résumé de toutes les propositions qu'on a pu récupérer sur ces fiches. Donc je vais vous les faire passer, on a fait des photocopies. Mettre en place des campagnes en faveur du recyclage. On avait vu... Ah oui, ça c'était... À l'instar de la mairie de Paris, proposer 25% pour l'achat d'un vélo électrique. Donc ça se fait à Paris, je vois pourquoi ça se fait pas à Marseille. Proposer une... Je suis Anaïs, d'ici d'Afrique. Je suis Rémi Ravaz, donc je suis chargée de développement à la Trinité Internet d'Environnement. Je suis en général très près, hein, de... un peu légèrement sur la façon dans laquelle on aborde les politiques jeunesse sur la commune des Verts. Je pense que celle de service qui s'occupe des projets innovants se permet plutôt dans le cadre des actions sociales. Et en même temps, le cœur aussi de l'action, c'est tout ce qui est l'échange notamment dans sa dimension humaine. Et on développe énormément de projets d'éducation non formelle avec des jeunes d'autres pays, des associations d'autres pays. Missionné de réaliser l'agenda 21 pour le 11-12. Ah, que pour... Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas d'accord ensuite entre la mairie centrale, les autres mairies, donc c'est pas facile en fait, d'arriver à convaincre tout le monde. Donc en fait, on en est là, c'est-à-dire que là, le constat a été fait. Les actions sont en train d'être posées, mais pour l'instant, rien n'est validé, rien ne démarre pour le moment. Et ça peut être... Je m'occupe de l'association Caracol Cafila, où on a ouvert un lieu qui s'appelle les ateliers de la Méditerranée. On propose des ateliers de loisirs créatifs et écologiques. En fait, c'est un moyen de sensibiliser au développement durable à travers les ateliers créatifs, des enfants et des adultes. Et dans ce lieu, on fait aussi la petite restauration biologique. On a un espace éco-boutique. Donc on anime aussi des ateliers à l'extérieur sur des événements avec les scolaires, les étrangers. Réfléchir à toutes sortes de propositions autour de la consommation responsable qu'on pourrait faire ensemble. Lancer une idée de navette entre le Vieux-Port, Vieux-Port, ouais. Les Stacks, Vieux-Port peut-être, Pointe-Rouge. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une navette qui ne soit pas forcément polluante avec un autre... Voilà. Une navette bateau. Bateau. Mmh. Ça intervient un peu au nom du collectif Changeons la Cantine, qui milite un petit peu pour l'introduction du bio et d'une alimentation de qualité dans les cantines scolaires. Par exemple, tout un travail autour du vélo et comment permettre d'utiliser de manière beaucoup plus facile et régulière le vélo. Alors le vélo bleu là, qui est en borne, qui est un moyen de transport intéressant mais qui est utilisé aujourd'hui plutôt comme pour le tourisme. Le problème en fait c'est à la base, c'est que, enfin je sais pas quelle est la solution, mais effectivement ça coûte trop cher et beaucoup de gens, même nous ils viennent, ils disent, nous on essaie d'avoir des prix qui soient les mêmes que dans un marché normal. Mais ce qui était vraiment important, c'était qu'ils s'approprient aussi cette thématique en allant à la rencontre des porteurs de projets et qu'ils rencontrent pendant 2 heures, 3 heures un projet qui est souvent un projet de vie et qui leur montre aussi qu'il est possible de créer des choses
qui redonne aussi de l'espoir, parce que au début, quand on a commencé à travailler sur ce thème-là et sur ce projet, bah, beaucoup pensaient, oui, mais non, on ne peut rien faire. Puis le bio, c'est qu'une question de mode. Donc tous ces projets qui ont une forte implication, une forte, un fort ancrage local, bah, se déroulent et se développent aussi de la même manière dans d'autres pays européens. Et comme il disait, c'est au niveau des assises que tous ces projets se retrouveront et on invitera de nombreux jeunes de tous ces pays. Et nous avons dédié une rubrique coup de cœur à notre guide. Pour descendre ce coup de cœur, on a évalué selon l'accueil, l'aménagement de l'ancienne, l'espace, la déco et la motivation des gérants, des employés et des directeurs. Et que ce chéquier conso, y ait par exemple des chèques qui valent, 7 euros, qu'on pourrait utiliser dans les lieux qui sont recensés dans le guide. Donc par exemple, on voudrait aller acheter un cadeau pour la fête des mères, on pourrait aller chez Loubès. Deux idées ou deux conseils pratiques à voir. Premier conseil, surtout, ne bridez pas votre imagination et n'ayez pas peur d'être inventif. Alors que ce soit chéquier ou autre chose, peu importe. Donc, que le brainstorming autour de tout ce qui peut faire avancer cette idée, ne vous bridez pas, ne vous mettez pas d'entrave, allez-y. Dans la pâte, et après les décideurs. Et pourquoi? Parce que malheureusement, je ne crois pas que ce soit nous qui avons, en termes économiques, les moyens de pouvoir répondre au portage de projets et aux décisions qui permettront de faire changer, comme vous le, j'imagine vous, et pour des raisons personnelles, moi-même, voulons faire changer et avancer les choses, dans notre propre intérêt d'ailleurs.